Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette journée un petit peu spéciale, cette journée donc de porte ouverte virtuelle. Donc je me présente, je m'appelle Maïté Maskens. Je suis professeure dans le bachelier en sciences humaines et sociales de Charleroi. Je suis anthropologue, donc je donne principalement les cours d'anthropologie et de sociologie en première et en deuxième année, donc dans ce même bachelier de 3 ans. Alors peut-être j'ai quelques minutes ici pour me présenter, pour vous dire des choses générales. Et ensuite, normalement, vous devez le voir, il y a un PowerPoint associé à cette présentation qui vous invite en fait à rejoindre l'onglet le stand, pardon, étudier à Charleroi, à aller sur l'onglet vidéo et à regarder la vidéo qui apparaîtra en dernier sur la liste et qui s'appelle « Apprenti ethnographe au Pays Noir ». C'est en fait une vidéo qu'on a réalisée cette année avec les étudiants et donc qui vous donnera un petit peu à voir le cours, ce qu'on y fait. Donc, pour revenir dans le cadre du bachelier, moi je donne le cours d'introduction à la sociologie en première année, le cours d'anthropologie sociale et culturelle toujours en première année, et un cours de base en méthode qualitative en deuxième année, ainsi qu'un cours d'anthropologie approfondie. Et là, ce que vous allez voir, la petite vidéo, c'est la vidéo qu'on a réalisée avec les étudiants du cours de base en méthode qualitative, où donc les étudiants sont amenés à s'initier à l'enquête de terrain, donc à faire leur propre enquête, à construire leur propre sujet d'investigation, qu'est-ce qui les intéresse. Dans le cours, on a une série d'outils qu'on va utiliser pour ce premier travail de terrain, donc qui est la méthode, donc c'est l'observation participante. Donc, c'est des enquêtes au long cours où le chercheur, l'anthropologue, l'apprenti anthropologue, l'apprenti sociologue s'immerge sur son terrain et essaye de comprendre ce qui se passe dans un univers social qu'il a choisi d'étudier. Et vous verrez dans le petit documentaire donc, que cette année, on s'est intéressé au carnaval de Charleroi pour une série de raisons, donc qui est un carnaval qui nous a directement intéressés. Et donc là, on s'est retrouvés le jour du carnaval avec les étudiants qui avaient délimité pour eux-mêmes à chaque fois un sujet plus spécifique dans ce grand sujet collectif, dans ce grand sujet de recherche collectif qui était pour nous le carnaval de Charleroi. Alors, je vous invite à vous rendre donc comme vous voyez sur le petit PowerPoint, donc au stand étudié à Charleroi, dans l'onglet vidéo, de retrouver la vidéo donc, qui s'appelle « Apprenti ethnographe au Pays Noir » qui dure environ une dizaine de minutes. Donc je vous propose de la regarder et puis de revenir ici, donc de nous rejoindre ici à la salle Louise Popeline à 16h20, pour une séance de questions-réponses et pour éventuellement, évidemment, avoir vos réactions sur ce que vous venez de voir et que je puisse vous en dire plus sur la suite du programme. Voilà, mais je vous souhaite une bonne visualisation et à dans 15 minutes. Merci pour votre attention.
Voilà, rebonjour à tous. J'espère que vous avez pu visionner ce petit documentaire. Voilà, je me disais que bien souvent, quelques images valent mieux qu'un long discours. Et comme ça, vous voyez les étudiants et les étudiantes au travail, en action. Évidemment, c'est un fragment de cette expérience. Mais voilà. Alors, peut-être j'en profite aussi pour vous dire parler de quelques spécificités de l'enseignement à Charleroi, qui est donc un enseignement dans le cadre du bachelier en sciences humaines et sociales de proximité, c'est-à-dire que pour le moment, on a encore la chance d'avoir des petites classes, et donc ça nous permet d'avoir un rapport pédagogique avec les étudiants assez différent que dans des grands auditoires de centaines d'étudiants où évidemment tout est plus compliqué. Là, on n'est pas dans des masses d'étudiants et donc ça donne aussi une qualité particulière à l'enseignement. Il y a beaucoup d'initiatives pédagogiques, de soutien des étudiants, beaucoup de personnes qui s'activent autour de la réussite. Alors, dans les cours d'anthropologie et de sociologie que moi je donne, c'est vrai que j'essaye un maximum quand c'est possible, quand ce n'est pas des cours d'introduction et de contenu, comme il y en a aussi parfois, mais quand c'est des cours qui le permettent, j'essaye évidemment de partir des intérêts des étudiants. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez envie de comprendre? Quelles sont les choses qui vous font réfléchir? Et de partir de ça pour explorer les différentes dimensions du monde social. Dans les cours, ce que je peux dire en général, c'est que l'étudiante n'est pas considérée comme une page blanche où le professeur viendrait imprimer des savoirs, des connaissances, mais l'étudiant est plutôt considéré comme agent de ses propres connaissances. Et donc, le professeur est là pour l'orienter, pour l'aiguiller ou pour faire une partie du chemin ensemble. Alors, on travaille aussi beaucoup dans les cours qui me sont attribués à partir de la ville de Charleroi. Donc, c'est un petit peu, on pense un peu la ville comme un laboratoire. Et donc, toutes les initiatives qui se déroule autour de la ville sont des objets potentiels de réflexion, d'études. On ne reste pas tout le temps à l'intérieur des locaux, mais on sort, on essaye de comprendre ce qui se passe aussi en participant. Donc il y a un aspect assez dynamique qui est en cours sur le site de Charleroi. Alors, je regarde vos questions. Alors, je vois ici, qu'est-ce que c'est des Carolos? Alors, des Carolos, c'est des Carolorégiens, des habitants de la ville de Charleroi. J'ai une question, pardon, qu'est-ce que c'est des Carolos? Voilà, ça c'est comme ça qu'on nomme les habitants de la ville. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore d'autre? Alors, je pourrais vous dire aussi que donc si l'idée ou si vous avez le désir d'étudier à Charleroi, n'hésitez pas de nouveau à vous rendre sur le stand donc avec l'onglet étudier à Charleroi et là vous verrez il y a aussi une petite capsule qu'on a fait avec les étudiants sur le bachelier en sciences humaines et sociales donc qui reprend un petit peu plutôt leur perspective sur ce bachelier, quelle est leur vie, leur expérience d'étudiant, d'étudiante sur le site de Charleroi. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur la chatroom si vous avez d'autres questions. Évidemment, là, il y a des gens qui sont disposés à vous répondre. Alors, vous pouvez aussi donc poser vos questions en direct, en live, donc sur la chatroom. Mais vous pouvez aussi, si vous avez une question un peu plus tard, envoyer un mail
Donc à l'onglet qui s'affiche Contact. Vous avez aussi accès à un petit dépliant qui est online et qui reprend le programme de cours. Vous allez voir que dans les 3 années, il y a des cours, il y a beaucoup de disciplines qui sont enseignées. Donc c'est un bachelier assez généraliste, beaucoup de disciplines différentes qui sont enseignées. L'histoire, la philo, les sciences politiques, mais aussi l'économie politique, les statistiques. Voilà, donc là, je vous invite à vous rendre sur le programme de cours pour ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir plus. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore des questions plus précise ou plus spécifique. Non, je n'ai pas de questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur la chatroom, à envoyer un mail ou encore à regarder tous les documents qui vous donnent des renseignements donc plus précis sur ce bachelier en sciences humaines et sociales de Charleroi. Voilà, mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vois qu'il reste 3 minutes avant la conférence suivante. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère vous voir bientôt sur le campus. J'espère que vous trouverez les études que vous avez envie de réaliser et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Merci pour votre attention.